Les enfants du cycle primaire dans le secteur public peuvent prendre le chemin de l'école à partir de ce lundi 23 septembre. Dans une exclusivité décrochée par Freecoms, le gouvernement a répondu à quelques revendications des enseignants tant debout que assis. Le 40 000 francs congolais des primes de la gratuité et l'ajout des salaires des 50 000 francs congolais pour tous les enseignants sont effectifs. Nous sommes allés en grève 4 jours après. Le directeur national de la DINACOPE, Papi Mangobé, a fait un communiqué signalant tous les enseignants sur l'étendue de la République que le montant de 40 000 francs congolais qui était prévu pour les enseignants du primaire afin de réajuster la prime de gratuité pour le mois de juillet et d'août, mais aussi nous confirmer que les 50 000 francs congolais qui étaient adoptés pour la première tranche à tous les enseignants, que ce soit debout ou assis, que c'était déjà prêt dans les banques payeuses. Et nous sommes arrivés au mois en date du 9 septembre. Les enseignants, avec nous, nous avons été en assemblée d'évaluation encore une fois de plus. Nous avons suspendu la grève au niveau du secondaire et maintenu la grève au niveau du primaire. Et au courant de la semaine qui vient de s'achever, les enseignants, avec nous, leurs délégués, nous avons observé ces paiements. Effectivement, le gouvernement congolais a payé les 40 000 de réajustement de prime de la gratuité et a payé aussi les 50 000 d'ajout sur les salaires de tous les enseignants. Et aujourd'hui, je vous assure que à partir de demain, samedi, nous allons aussi suspendre cette grève au niveau du primaire pour que les écoles primaires où il y a nos syndicats, des SEC, mais aussi des SINECAT, les syndicats frères, qui a lancé cette grève ensemble avec nous pour que ces enseignants reprennent aussi ce lundi le chemin de l'école. Toutefois, cette suspension de la grève n'est pas à confondre à une levée totale du mouvement. Les activités vont sûrement reprendre à la normale, mais les bancs syndicaux semblent vigilants pour veiller à d'autres revendications. Dans le langage syndical, il y a la suspension des grèves et la levée des grèves. Je n'ai pas parlé de la levée des grèves, mais j'ai parlé plutôt de la suspension des grèves. C'est-à-dire quoi? Nous sommes satisfaits, pas tout à fait, parce qu'il y a les premières revendications qui ont eu réponse. Et retenez qu'il y a d'autres revendications, telles que nous avons recommandé au gouvernement congolais de pouvoir doter à l'enseignant congolais un statut particulier pour que l'enseignant congolais puisse être agent de l'État, fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire reconnu par le ministère de la fonction publique. Nous avons aussi recommandé au gouvernement congolais de pouvoir respecter les projets de barème que nous avons élaborés à Bibwa et déposés en bonne et due forme pour que ces barèmes-là passent au niveau de l'Assemblée nationale où les élus nationaux votent, n'est-ce pas, les lois pour que ces élus-là puissent revoir la situation des enseignants. Officiellement, la rentrée scolaire a été lancée le 2 septembre en RDC, mais les enseignants du secteur public ont boycotté ces rendez-vous. Si les enseignants du secondaire ont repris à partir du 9 septembre, ceux du cycle primaire ont maintenu ces mouvements de grève. C'est dans une atmosphère pleine d'espoir que s'est tenue la soirée élective de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC à Kinshasa. Les journalistes venus des quatre coins de la RDC, y compris de la province du Tanganyika, ont assisté à cet événement crucial déterminant l'avenir de leur corporation. L'élection s'est soldée par la victoire des Kamanda Wakamanda Muzembe, ancien journaliste à la Radio France Internationale, élu président de l'UNPC nationale. Baudouin Kamanda Wakamanda, dont le charisme et la détermination ont su séduire l'Assemblée, a immédiatement pris la parole après son élection. Fort de son mandat, il s'est engagé à renforcer la solidarité entre les journalistes et à défendre vigoureusement leurs droits, promettant ainsi à mettre en place des actions concrètes pour améliorer leurs conditions de travail. Je dois également vous remercier. Vous avez fait pour la mobilisation que vous avez faite pour moi, parce que n'eût été cette mobilisation-là, je n'aurais pas été élu président de l'UNPC.
Dans la province du Tanganyika, un appel retentissant a été adressé au nouveau comité d'élus NPC. Les journalistes de la place expriment une profonde préoccupation concernant la santé d'élus NPC provincial, jugée médiocre par bon nombre d'entre eux. Ils ont ainsi exhorté Kamanda Muzembe et son équipe à organiser des élections pour renouveler la direction de l'antenne régionale, espérant une revitalisation de la branche provinciale. Aujourd'hui, la santé des UNPC Tanganyika est tellement médiocre parce que, c'est vrai, nous avons attendu très longtemps aussi des réformes qui se font à Kinshasa et dans notre province, dans notre ville du Kalemi, pourquoi pas, surtout l'étendue de la province, qui n'ont jamais été appliquées. Et là, nous avons un groupe d'individus qui a pris pratiquement en otage la presse du Tanganyika. Et donc, nous invitons par cette occasion les bureaux à Baudouin Kamanda de venir aussi en province, de faire un regard très particulier par rapport à ce qui se passe dans la province du Tanganyika, de permettre des élections démocratiques pour que la province ait aussi une équipe, un comité légitime et assécher tous ces dinosaures qui ont pris en otage notre profession, de laisser place à ces nouveaux vents qui aspirent, très engagés, à redorer les blasons longtemps ternis. La tâche du nouveau président ne sera pas facile car les attentes sont grandes et les défis nombreux. Mais son élection ouvrait la voie à un potentiel renouveau de la presse du Tanganyika en particulier et du Congo en général, offrant une plateforme plus solide pour défendre la liberté de la presse et améliorer la sécurité et le professionnalisme des journalistes à travers le pays. L'écho de cette soirée élective résonnera sans doute dans les mois à venir, alors que le nouveau comité met en œuvre ses projets ambitieux. Enfin, une bonne nouvelle pour les chefs de quartier en République démocratique du Congo. Le gouvernement a décidé d'honorer leur travail par une rémunération mensuelle. Sont également concernés par cette considération les chefs d'avenue, les chefs des rues et même les chefs de groupement. Ainsi que cela se passe dans tout État moderne, tout changement des résidences ou acte lié à l'état civil doit être signalé et enregistré auprès des autorités locales compétentes. Ces mesures ont un impact certain sur la tranquillité sociale et même sur la santé publique. C'est pourquoi il a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres délégués près du ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, en collaboration avec les gouverneurs de province, à instruire tous les services étatiques et leurs animateurs des entités territoriales décentralisées ou déconcentrées sur leurs compétences, d'éveiller scrupuleusement à l'application sans faille de ces mesures conformément aux prescrits légaux et réglementaires. Le ministre d'État, ministre du Budget, sera aussi associé pour traiter les questions liées à leur budget. À Kalemi, certains probables bénéficiaires de cette option du gouvernement central congolais, interrogés par Fréquence Télévision, expriment leur satisfaction sous réserve de voir le gouvernement agir conformément à sa promesse. Le ministre d'État, ayant les budgets comme attribution, est déjà instruit par le président Félix Tshisekedi pour s'associer au traitement de l'enveloppe pour prendre en charge mensuellement ses représentants de l'État congolais plus proche de la population. Un nouveau-né, victime d'une malformation congénitale sévère, est décédé peu après sa naissance, laissant les soignants en état de choc. Les circonstances entourant cette naissance sont particulièrement douloureuses. L'enfant, dont les malformations étaient visibles à la naissance, n'a pas survécu longtemps. Le personnel médical qui avait tout mis en œuvre pour tenter de sauver le nouveau-né a été profondément affecté par cet événement et a souhaité sensibiliser les femmes enceintes aux facteurs des risques pouvant contribuer aux malformations congénitales. Nous avons rencontré à notre
institution sanitaire dénommée la polyclinique Espoir Médical, un cas de malformation congénitale d'un enfant qui est né avec certaines malformations congénitales. Mais néanmoins, j'aimerais que l'on puisse connaître au moins les causes et le facteur prédisposant aux personnes ou à nos gestantes ou aux femmes enceintes de pouvoir donner naissance aux enfants avec de malformations congénitales. Par exemple, exposition à des substances tératogènes, le médicament, donc les drogues, alcool, les infections maternelles pendant la grossesse. Il y a de ces femmes enceintes, lorsqu'elles sont enceintes, elles aiment toujours faire les lavements avec les produits indigènes. Elles peuvent avoir des répercussions au niveau du fœtus parce que ça traverse le barrière hématoplacentaire. Alors, lorsque ça traverse et que l'on parvient que certains organes qui sont en train de se développer chez l'enfant ne sont pas encore matures, ça pourra empêcher le développement normal de certaines parties de l'organisme. Cet événement tragique à l'hôpital Espoir Médical souligne l'importance d'une sensibilisation accrue au risque de malformations congénitales et rappelle la nécessité d'un soutien médical adéquat pour les femmes enceintes. Le Sitangadika a encore livré notre match amical contre la formation des MK de la ville-province de Kinshasa en s'imposant sur les scores des 2-0. La prestation des Rouges et Blancs est encourageante pour avoir enregistré plus de victoires et moins de défaites durant leur préparation à cette nouvelle saison de l'Illico Cash Ligue 1 qui amorce dans peu de jours. Après la rencontre, le président de l'équipe, Christian Kitunga Muteba, s'est adressé aux joueurs en leur exhortant d'être plus compétitifs durant toute la saison. Aller de l'avant sans régresser est son souhait. Vous avez l'opportunité devant vous. Cette opportunité est là. Nous devons l'exploiter avec beaucoup de matchs, avec des tacts, avec des techniques que nous allons ensemble réfléchir. Vous connaissez les clubs que vous allez rencontrer, que vous allez affronter. Donc, mettez-vous à la hauteur. Face à cette ancienne équipe de la Ligue 1, les Rouges et Blancs des Calémi ont démontré leur capacité de pouvoir faire face aux autres équipes habituées à ces championnats d'élite de la RDC. Équipe championne de la Vodacom Ligue 1 la saison passée, dans la zone centre-sud du pays, le FC Tanganyika va évoluer toujours dans la même zone aux côtés des Mazembe, Lupopo, Don Bosco, Blessing, qui évoluent régulièrement dans ces championnats d'élite. Le démarrage du championnat va se dérouler le 26 septembre après la publication du calendrier le 23 prochain, où les clubs engagés en Ligue 1 connaîtront leurs adversaires. Il est rare qu'un pays connaisse des moments aussi exaltants sur la scène internationale. Mais l'équipe nationale du football de la République démocratique du Congo vient de réaliser un exploit majeur en intégrant les top 10 des équipes africaines et en se classant 58e au niveau mondial. Cette montée significative dans les classements de la FIFA ne passe pas inaperçue et suscite un véritable engouement au sein des supporters et des passionnés de football. L'équipe de la RDC, surnommée les Léopards, a démontré une résilience impressionnante et un talent indéniable dans ses derniers matchs. En tranchant les défis du football africain, elle a su attirer l'attention par des performances convaincantes lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et lors de ses derniers matchs amicaux. Les dernières victoires contre la Guinée et l'Éthiopie sans encaisser aucun but a permis à l'équipe de solidifier sa place parmi les meilleurs d'Afrique. Cette avancée au classement ne se limite pas qu'à des chiffres et l'ouvre également la voie à des opportunités pour le développement du football en RDC. En étant reconnu parmi les meilleures équipes d'Afrique, le pays attise les rêves des jeunes footballeurs, leur offrant un modèle d'inspiration et la promesse que le travail acharné peut porter ses fruits. En outre, ce classement pourrait également faciliter l'accès à des fonds et à des partenariats qui pourraient enrichir les infrastructures sportives et la formation des jeunes talents au pays. Bien que cette nouvelle position dans les classements soit une source de fierté, l'équipe et son staff technique savent très bien que le chemin à parcourir est encore long. Le groupe devra continuer à travailler dur, à se préparer pour les matchs à venir et à peaufiner sa tactique afin de rester compétitif sur les plans africains et mondial. Les attentes vont augmenter, mais avec ce que l'équipe de la RDC a montré jusqu'ici, elle est prête à relever ses nouveaux défis.